Bonjour et bienvenue sur One Up to Play. Aujourd'hui, on va faire un déballage surprise. Donc, les déballages sont de retour et ici, on a eu un paquet. Je dois savoir c'est quoi. J'ai reçu un courriel par rapport à l'envoi. Ça devrait être ça. On a plusieurs trucs qui s'en viennent. Je crois que c'est d'Europe, hein? Ça se peut-tu? Oui, c'est écrit Grande-Bretagne. OK. Donc, je vais juste l'ouvrir avec notre arme secrète ici. L'arme secrète. Doucement, doucement. Et je vais laisser par la suite Isaac vous présenter. Voilà. On ouvre. Un papier. Voilà, un petit papier, je vais garder. Oui, c'est qu'est-ce que je pensais. Très bien emballé, vraiment, ouais, bravo. Il veut trop que ça se spoilise. Ouais, c'est bon. Oh, le bruit, ça fait... Ah. Bon, il va se péter le paquet. Ah, il n'y a rien sûrement à vérifier. Oh, oui, c'est vrai, ça veut dire que... Il y a là, il y a ça ici, il faut que ça fait, ok, vas-y. C'est le jeton? Ouais. Je vais vous montrer après. Et nous avons... Il va être capable... Voilà! The Long Reach. The Long Reach, sur PlayStation Vita. Ça ici, qui vient avec une carte postale et c'est d'un Signature Edition, hein, qui font des jeux en édition limitée. On a Slain entre autres deux et le fameux jeton qui donne un jeton, une pièce qui est très lourde. Il a été signé le jeu, c'est quoi? Ouais, ils sont tous signés. Ils sont tous signés, ceux-là. Ils ont fait comme si les personnes qui ont fait le jeu signé. Oh. Avec la petite carte postale. Donc, The Long Reach, un petit jeu PlayStation Vita que j'attendais depuis quelques temps. Il l'avait annoncé, je crois, l'année dernière, Signature Edition. Finalement, il l'avait retiré de leur site. On ne savait plus qu'est-ce qui allait arriver. Et là, il est sorti. Il est revenu en précommande. Je peux juste voir la pochette. Peux-tu voir le sou? Du coup, on a celle de Sling. Ils sont lourds en plus. Ouais, c'est très lourd. Donc, ça semble être un petit jeu d'horreur. Je dis horreur, puzzle, Shock of Discovery. Donc, ça a l'air très cool. J'ai hâte de l'essayer. The Long Reach, ce qui est avec une petite carte postale et le fameux petit jeton. Donc, Signature Edition, qui ont quelques jeux Vita, hein, vient d'Angleterre. C'est écrit bien sûr en arrière Région 2, mais la PlayStation Vita est Origin. Donc, si vous avez acheté des jeux d'ailleurs, compatible avec la PlayStation Vita. Donc, je ne me souviens pas c'est le combien de jeux sur Vita qu'ils ont fait, mais bon. On espérait qu'ils vont en sortir quelques-uns encore, des bons jeux, avant la fin de la production des cartouches, hein, qui va être en mars 2019. Donc voilà, Isaac qui s'amuse avec le jeton. Il est lourd. Oui, il est très lourd. Donc, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu dans les airs, partager avec vos amis, un commentaire. Sur ce, à la prochaine!